Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Bon, j'avais un peu hésité avant de parler de cette affaire Mila, mais quand je vois les proportions dantesques que l'affaire prend, ben voilà la vidéo. Voilà. Donc un petit rappel des faits pour commencer. Que s'est-il passé? Ben, on a cette petite gonzesse de 16 ans avec les cheveux violets qui pensait utiliser sa liberté d'expression en disant tout le bien qu'elle pense d'une certaine religion, en l'occurrence de l'islam. Pas de bol, la vidéo a tourné et elle se prend depuis des menaces de mort, des menaces de viol un peu partout depuis Internet. Et comme c'est devenu viral, le parquet a ouvert une procédure. Une procédure évidemment contre ceux qui ont proféré les menaces, c'est tout à fait normal, mais aussi, pour pas faire de jaloux, une procédure contre Mila pour incitation à la haine raciale, ce qui est quand même complètement dingue. Dans la foulée, on a le patron du CFCM qui va nous expliquer, je crois, à la radio, qu'en fin de compte, elle l'a bien cherché et que bah, si elle voulait pas avoir les ennuis qu'elle a maintenant, bah, elle aurait peut-être dû fermer sa mouille. Ensuite, le fin du fin, on a notre Belloubet national, ministre de la Justice, qui nous explique que l'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience. Et oui, ça implique clairement cette histoire-là que la liberté d'expression, selon Belloubet, doit s'effacer devant la liberté de conscience. C'est exactement ce qu'elle nous explique. Et moi, je sais pas pour vous, mais ça m'a pas l'air très très Charlie, cette histoire-là. Et comme c'est pas très très Charlie, ben je me disais que c'était du coup une bonne occasion de parler de liberté d'expression, parce que c'est exactement la question que pose l'affaire Millard, encore une fois dans notre pays malheureusement, et d'une façon très concrète, beaucoup trop concrète d'ailleurs pour elle, je pense. Donc on va en parler, on va parler de liberté d'expression, et bah, montrer évidemment que c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, il faut commencer par une définition, donc la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un droit naturel légitime. Donc c'est le fait de transmettre une pensée, donc ça peut être un fait, une opinion, une blague, une œuvre d'art, un projet d'action, en fait n'importe quoi. Et si c'est un droit naturel légitime, tant qu'on n'agresse personne bien sûr, est-ce qu'on peut tout dire? Peut-on tout dire sous couvert de liberté d'expression? Ben non, je pense pas. Je suis pas certain de ça. C'est-à-dire que la menace, l'appel au meurtre, clairement, je pense, ça n'en fait pas partie. C'est-à-dire que ce sont des promesses de violence, ces trucs-là, et celui qui les reçoit devrait être en capacité légitime de se défendre contre ça. Il devrait pouvoir se défendre contre celui qui profère les menaces, et donc nier leur droit d'exprimer ces projets-là. Bon, ensuite, il y a aussi le cas des faux témoignages ou d'accusés sans preuve ou avec des preuves bidons. Ça, je pense qu'un truc comme ça, bon, c'est peut-être un poil plus délicat, mais non, on n'accuse pas sans preuve. C'est-à-dire que dire partout que un tel est pédophile, un tel a commis des crimes, c'est clairement diriger tous les autres contre un tel. Bon, c'est clairement lui faire du tort et je pense que ça tombe dans le tiroir des agressions, ce truc-là. Donc, quand on accuse, bon, on fournit des preuves. Et ensuite, évidemment, il faut examiner ces preuves. Et si les preuves sont bidons, ben à ce moment-là, l'accusateur devrait sérieusement dédommager celui qui l'a accusé. Ça me paraît être le minimum. Voilà, donc maintenant on peut poser un cas concret. Est-ce que celui qui critique une théorie, une idée, une religion, même durement, agresse quelqu'un? La réponse est non, évidemment. Bon, évidemment, on pourrait nous répondre comme Belloubet que, mais si ça agresse ceux qui croient que cette idée, c'est pas de la merde, justement, puisqu'ils en font toute leur vie, c'est la pierre angulaire de toute leur vie, donc quand on les contredit, ça les met en danger, ça les met en difficulté, vous vous rendez compte, c'est leur liberté de conscience après tout. Donc, si vous voulez bien fermer vos mouilles, ça nous arrangerait. Ça, c'est ce que nous explique Belloubet, mais il y a un tout petit problème quand on fait ça, c'est qu'il y a des conséquences. Vous voyez, la première d'entre elles, c'est que la définition de l'agression devient relative et cesse d'être absolue. Mais heureusement, c'est faux. Heureusement, c'est faux puisque l'agression, elle se mesure objectivement avec deux critères. Le premier, c'est machin qui a cogné sur Bidule, et ça se voit, ça c'est vu, c'est-à-dire que Bidule a un coquard, il y a des témoins, ce genre de choses. Et le second critère, c'est le consentement, bien sûr, c'est-à-dire que Bidule n'a pas consenti à se faire taper dessus. Bon, après, c'est assez rare qu'il y ait des gens qui donnent leur consentement pour se faire cogner dessus, mais bon, ça arrive, il y en a qui le font, on n'est pas là pour juger. Bon, maintenant, si il suffit de se prétendre agressé après avoir entendu une parole malsonnante, et ben à ce moment-là, toute expression devient dangereuse. Oui, toute, puisque ben, n'importe qui peut se poser en victime après avoir entendu n'importe quoi, et donc potentiellement se défendre contre celui qui a parlé. Ça peut pas être une règle de vie en société, ce truc-là. C'est-à-dire que ça serait le meilleur moyen de ne plus pouvoir parler de rien, puisque ben, une accusation peut surgir n'importe quand, à l'issue de n'importe quelle conversation. Bon, en fait, la Belloubet et ceux qui se prétendent vexés par la vidéo de Mila, ils confondent simplement être vexé et se prendre un pain dans la tronche. Comme si une parole mordante pouvait laisser des traces dedans, vous voyez. En fait, c'est un truc d'imposteur, cette histoire-là. C'est-à-dire que
On parle même pas du pouvoir que ça donne à tous les tordus, aux drogués du pouvoir, aux brutes émotionnels. Tous ces gens-là, avec ce système, je veux dire, ils peuvent maltraiter les autres tant qu'ils veulent, ils peuvent les soumettre le reste du monde, et c'est facile pour eux de le faire avec ce système, il suffit de se poser en victime pour un oui ou pour un non, et alors là, c'est le jackpot. Ils peuvent vous demander des réparations, ils peuvent prétendre se défendre légitimement contre vous, enfin bon, clairement, ils peuvent vous agresser, ils peuvent vous voler. Et en plus de ça, ils peuvent le faire en prétendant que vous l'avez bien cherché, donc c'est bonus. Donc non, non seulement ça ne fonctionne pas ce truc-là, c'est-à-dire que la règle de société qui émerge de l'argument donné par Belloubet aboutit au chaos et pas à plus d'ordre, donc ça c'est faux, je veux dire, bien vu, l'agression c'est quelque chose qui se mesure avec des critères absolus et pas avec des critères relatifs qu'on trouve entre les deux oreilles des individus qui se prétendent agresser, et heureusement. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que la liberté d'expression, alors, c'est ce qu'il y a de mieux? Ben déjà parce qu'on évite le scénario catastrophe de tout à l'heure, avec la compétition généralisée des prétendues victimes, et ensuite parce qu'on a soit la liberté d'expression, soit les tabous dans tous les sens. Et là aussi, il y a des conséquences. Avec la liberté d'expression, on évolue dans une règle qui est extrêmement simple, prévisible, dans laquelle il n'y a pas de piège. En gros, c'est dis ce qui te passe par la tête, mais n'appelle pas au meurtre, ne porte pas de faux témoignages. C'est assez simple. On peut, avec la liberté d'expression, parler des sujets qui posent problème, des sujets qui fâchent. On débat, on échange des arguments, on négocie, et à force de parler de ces sujets, ben, potentiellement, éventuellement, on peut finir par les régler de façon pacifique, on peut trouver une solution qui sera harmonieuse. Et avec les tabous, c'est complètement différent. On est dans la capacité légale d'aborder ces sujets qui fâchent, et donc potentiellement de les régler avec une solution qui serait négociée et pacifique. Les conversations deviennent dangereuses. Et ça devient des champs de mine dans lesquels on risque de perdre une jambe à mesure qu'on transgresse les tabous qui sont posés périodiquement. On ne débat pas dans cette société avec des tabous, on condamne, ou alors on se fait condamner. Bon, clairement, on paye des amendes, on va en taule, éventuellement on s'est tapé dessus, voire même tué. Et en bonus, on crée du ressentiment chez tous ceux qui se font censurer. Et on alimente alors des camps antagonistes, et ça, des camps antagonistes qui se détestent, et je sais pas pour vous, mais je trouve que ça ressemble à un ingrédient de guerre civile, cette histoire-là. Avec la liberté d'expression, on a une petite chance de conserver une société complexe, d'aller vers plus d'harmonie. On condamne les actes, pas les paroles. Sans la liberté d'expression, donc avec les tabous, on a l'assurance du contraire, puisqu'on se retrouve avec une société hypersensible, dans laquelle on ne règle jamais les problèmes, puisqu'on se retrouve avec des groupes qui piquent des colères pour s'assurer justement que les sujets qui fâchent ne soient jamais abordés. Donc clairement, on obtient le désordre et la violence en prime, la violence des censeurs qui menacent, qui brutalisent, même qui tuent. Qu'il s'agisse des censeurs du gouvernement ou des censeurs, des voyous qui zonent dans la rue. Bon, eh bien, merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Comme d'habitude, si j'ai dit une grosse bêtise, si je me suis trompé quelque part, contactez-moi, corrigez-moi, ne me laissez pas dans l'ignorance. Je corrigerai et j'adapterai dans la mesure du possible. Aussi, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez des pouces vers le haut comme ça. Partagez cette vidéo sur les réseaux à vos amis. Si ça vous a plu à vous, ça plaira à vos amis. Si vous aimez vraiment, mais alors vraiment ce que je fais, passez faire un tour sur le Tipeee, lien dans la description. Et toutes ces choses étant dites, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir!